Oui, c'est bon. C'est tout bon. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du comité du groupe Vaudois de philosophie, je vous souhaite la cordiale bienvenue ici à la maison de quartier pour cette soirée durant laquelle on est très heureux d'accueillir Marc-Antoine Anty. Bonsoir. Marc-Antoine Anty qui sera présenté par Michel Vanni avant de lui céder la parole. Je prends la parole juste pour vous dire quelques mots, d'abord pour remercier la maison de quartier Soubert de nous accueillir. La maison de quartier nous accueille depuis maintenant 10 ans avec beaucoup de générosité. Nous sommes très contents d'être là. Vous dire que cette soirée, elle s'inscrit dans une saison qu'on a nommée Faire œuvre d'émancipation. Pour la première fois, on a produit des programmes qu'on a même fait imprimer. Ont été réalisés par Jamil Ayoub, qui est ici pour remercier Merci beaucoup. Jamil. Jamil, c'est également celui qui nous fait nos affiches depuis plusieurs années. Donc, on remercie beaucoup pour ça et d'être là ce soir. Donc, comme je le disais, cette soirée s'inscrit dans notre saison Faire œuvre d'émancipation. C'est la deuxième. On a fait une première en octobre, pas fait en novembre. Vous avez le programme sous les yeux, donc cette soirée du 1er décembre, donc nous accueillons Marc-Antoine Anty, qui a choisi un titre, s'appelle la liberté dans le choix du symptôme, qui est assez lié avec la soirée qui aura lieu dans 10 jours, à peine, 8 jours, qui sera, ce sera une intervention, une conférence de Bernadette Weibel, qui est là. L'idée, c'est que ces deux soirées s'articulent entre elles. Celle de Marc-Antoine Anty va nous parler de liberté, individualité, et puis celle de Renato, plutôt de vérité collective. C'est des gros concepts qui vont s'articuler entre ces deux soirées. Ensuite, on fait une pause parce que c'est Noël. Et on reprendra en janvier, le 19 janvier, avec une soirée intitulée Éduquer par les œuvres, qui sera animée par Michel Vanni, qui est ici, qui est prof de gymnase. Et puis, je ne vais pas tout vous dire, mais la suivante, ce sera une projection du film Le Guépard de Visconti. Je ne fais pas d'erreur. Ce sera un samedi, c'est un long film, donc on va prendre le temps, on s'écoute le son. Bonne idée de le projeter à 4h30 de semaine, donc ça sera un samedi, l'horaire est encore à préciser. Et puis, vous verrez sur la deuxième page, il y a le programme des soirées jusqu'au mois de mai. Voilà. Cette saison fait un peu suite à la saison précédente, Faire œuvre d'émancipation. Avant, j'avais intitulé nos soirées, nos saisons. Faire monde avec les groupes vaudois, c'est quand même dans la prolongation de cela. La question du monde continue à traverser nos réflexions. Et là, on a décidé de l'aborder par le biais des hommes au sens large. Voilà, dernière chose avant que je cède la parole à Michel et Manu. Donc, le groupe vaudois est une association qui propose des activités. Et on peut le faire grâce au soutien de nos membres. Donc, le programme que vous avez au dos, si vous souhaitez, la possibilité de nous soutenir, soit en adhérant à l'association, une cotisation de 50 francs par an, en France, il y a également la possibilité de nous soutenir juste pour cette saison, pour un prix de 60 francs. Ce n'est pas une cotisation de membres, mais c'est un soutien. Merci encore de votre présence. Et je passe la parole à Michel Vanni. Encore plus qu'une chose, le bar sera ouvert. Est ouvert, pardon. Est déjà ouvert avant la soirée. Donc vous pouvez plus ou moins discrètement. Il faut consommer. Consommer le bar. Et puis, peut-être une dernière chose. Donc, le masque n'est pas obligatoire jusqu'à minuit. Voilà, quand vous portez le bar. La prochaine soirée, on sera tous masqués, donc peut-être en profiter. Profitons.
Merci beaucoup, excellente soirée. Je dois dire que c'est un plaisir particulier pour moi ce soir, d'avoir Marco quand même passé un nuit. Pour moi aussi. Et puis parce plaisir. Que ce n'est pas le Gros Vaudois qui accueille Marc-Antoine, c'est le Gros Vaudois avec Marc-Antoine Anti qui a organisé cette saison. Et je crois que c'est important d'insister là-dessus, c'est-à-dire que c'est le fruit d'une rencontre, c'est le fruit d'une impulsion qui est venue d'abord de Marc-Antoine, qui nous a proposé un petit cycle autour de la question de la liberté. Et nous, on était là avec nos questions faire monde, faire œuvre. Ah oui, l'œuvre, c'est sympa, les films, la littérature. Voilà. Est-ce qu'une œuvre produit dans le monde? Et puis là, tout à coup, on s'est dit, ah mais c'est super, on va pouvoir faire. Ah oui, ah, pour l'enregistrement, je ne vais pas le prendre. On va pouvoir faire quelque chose ensemble en articulant ces deux dimensions, c'est-à-dire la question de l'œuvre et puis la question de l'émancipation. Et. Il y a vraiment tout à coup quelque chose qui se produit dans la qualité, la possibilité de fabriquer ensemble toute cette saison. On va avec Renato également pour la prochaine séance. Et par rapport à ça, je dois dire qu'il y a quelque chose d'assez réjouissant de pouvoir se rencontrer avec des perspectives différentes. Et que Marc-Antoine, qui est une personne magnifique, pleine d'enthousiasme, qui arrive avec des idées qu'il a envie de présenter. Travail. Et puis de collaborer avec des philosophes, bien des constructeurs chiants comme nous. Mais c'est très bien, c'est très bien. Évidemment, ça produit quelque chose de spécifique. Et donc, on doit dire que je me réjouis beaucoup. Voilà. À part ça, vous connaissez Marc-Antoine, je vais le présenter trop, mais voilà. Donc, Marc-Antoine, outre les grandes qualités que je viens de signaler, à la qualité d'être pédopsychiatre, une pratique, on dit ça, une pratique. Oui. Donc il a une pratique autour de ces questions, donc il parle pas seulement depuis les étoiles et les textes, mais avec voilà, une expérience autour de ces questions, et puis sur la question du symptôme et de la possibilité autour des symptômes, il puisse y avoir quelque chose comme une liberté possible pour un sujet. Évidemment, c'est une question excitante. Merci Michel. Effectivement, c'est un plaisir aussi de préparer. On s'est vu plusieurs fois, on a discuté. C'était vraiment un plaisir. Bonsoir. Et j'espère que voilà, vous prendrez plaisir à écouter ce travail. Donc, voilà, donc, mon titre, « Y a-t-il une liberté dans le choix du symptôme ?» Voilà, dans le cadre de mon travail clinique, avec des patients d'âge divers et issus de différents contextes familiaux, culturels et sociaux, pour moi, se pose régulièrement la question de ce qui conditionne l'individu en tant que sujet et quelle est sa part de choix, de liberté au cours de son existence. Dans cette allocution, je partirai du présupposé suivant. Aussi mince soit-il, un choix possible s'offre à chaque sujet. Ce présupposé à la fois éthique et clinique me semble important. Car il est non seulement porteur d'espoir, mais il permettra de mobiliser le sujet, le patient qu'on rencontre. A contrario, concevoir un sujet mu uniquement par le jeu des forces extérieures et son prise sur son devenir rend difficilement envisageable un changement. Pour mon propos, j'utiliserai le mot « choix » dans un sens proche de liberté, de position active du sujet, d'appropriation et de non-conditionnement. C'est un acte qui impliquerait le sujet sans mobiliser nécessairement sa pleine conscience. Voilà un peu comment je définis, je donne un petit peu les prémices pour plus de clarté à l'écoute de ce que je vais dire. Dans mon propos, il y aura quelques chapitres, je vais m'intéresser au corps, ensuite à la constitution du sujet, à la question des identifications et de la performativité. Je m'intéresserai aussi à l'environnement familial et qu'est-ce qui peut prédisposer à la maladie psychique. Et ensuite, je dirai quelques mots sur la performativité et la thérapeutique. Et puis ensuite, je conclurai très très brièvement. Voilà. Donc, je commence par le corps. Donc, c'est à la fois un donné et un construit. C'est
C'est à la fois quelque chose que l'on peut préserver activement et qu'on ne peut protéger. On est aux prises avec deux mouvements contradictoires. D'une part, c'est ce mouvement d'assujettissement et d'une part, un bout de liberté, à mon sens. Commençons par la maladie. Dans la médecine occidentale, on considère la maladie comme consécutive à différents facteurs. Alors voilà, sur beaucoup de ces facteurs, le sujet n'a aucune prise. Je pense par exemple à les facteurs constitutionnels ou génétiques. Ben voilà, on est avec un certain génome, on n'y peut pas grand-chose. Il y a aussi des facteurs génétiquement acquis, il y a aussi des facteurs épigénétiques, enfin, qui sont liés à l'expression ou non de certains gènes, et on n'a pas forcément de prise. Il y a aussi ce qu'on appelle la congénitalité, donc de naître avec une maladie, on ne sait pas si c'est acquis à la naissance ou dans l'utérus, ou si c'est héréditaire. Et puis, il y a bien sûr le vieillissement, sur lequel on n'a aucune prise. Et puis aussi le sexe, pas au sens de genre, mais de sexe. Je pense rien que le fait d'être un homme et d'avoir beaucoup de testostérone, il y a plus de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires jusqu'à un certain point. Voilà, il y a un simple exemple, par exemple. Il y a néanmoins, même en médecine somatique, quelques facteurs sur lesquels une prise est possible. Je pense à l'environnement et les comportements. On peut voir à Lausanne, par exemple, la réduction des nuisances sonores. Ça, c'est un acte qui peut avoir des effets au niveau du sommeil, au niveau de l'hypertension. Je le cite parce que, voilà. À partir de 10 heures ce soir, tout le monde sera à 30 à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est un effet. Et puis surtout, je dirais, l'hygiène, ce qu'on appelle en médecine le terme d'hygiène de vie, à savoir éviter les excès en tout genre, ce qui est lié au tabac, avoir une certaine alimentation, faire du sport. Donc voilà, ça pourra, ou pas, mais en tout cas, ça pourra aider un bout à éviter trop de problèmes cardiovasculaires ou de cancer. Voilà. Donc voilà, déjà sur ce point, le sujet peut jouer un rôle actif dans la préservation de sa santé et se prémunir au moins en partie, je dis bien en partie, parce qu'il y a toute une fatalité, ça les internistes le voient bien, une fatalité même des gens qui... un style de vie impeccable, et puis voilà, qui tombe malade. Voilà, il y a ce côté fataliste qu'il y a dans la médecine. Et donc, on peut se prémunir en partie contre diverses maladies cardio-respiratoires et cancers. Donc, je conclue qu'une petite part de choix est ainsi présente. Je poursuis donc avec la construction du corps. Donc, le corps, je disais, c'est à la fois un donné et quelque chose en construction. Il est à la fois en acte et en puissance, pour reprendre des termes aristotéliciens, c'est-à-dire qu'il y a une part qui est très réelle, très concrète, qui est faite de... et en même temps, quelque chose de fictif et de virtuel, de potentiel. Il y a un paradoxe. On possède un corps concret, fait de chair et de sang, qu'on va devoir construire afin de se l'approprier. C'est ce qui se passe, par exemple, au moment du stade du miroir. Donc, c'est un stade qu'on observe chez le petit enfant entre 6 ou 9 et 18 mois, où il commence à se reconnaître dans le miroir. Et là, quand on parle justement de la jubilation, dans un écrit sur le tas du miroir, de l'enfant quand il se regarde dans le miroir. Donc, il interprète ça comme une jubilation liée au fait que voilà, cet enfant qui est très maladroit, qui est mal à l'aise dans son corps, ben, il perçoit une première unité, une première image unie de sa personne. Donc, grâce à cette expérience du miroir. Donc, son corps, qui n'était qu'un amas de sensations disparates, s'unifie à partir de la perception par l'enfant de sa propre image dans le miroir. Et puis voilà, de manière plus concrète, ben voilà, on perçoit ce que son corps change au fil du temps, qu'on n'a plus la même vigueur, ou qu'on prend des cheveux gris, voilà. C'est, je pense, quelque chose dont on fait l'expérience. On se réapproprie quelque part son corps. Il y a Le Breton, dans un ouvrage, qui est un anthropologue français, qui a écrit autour son titre, c'est « Anthropologie de la douleur », et il en parle très très bien de la question du rapport au corps, la douleur, le fait que là, il y a cette phrase un peu qui cite, notamment de René Le Riche, qui est un chirurgien
français, donc la santé, c'est, le, enfin, c'est la vie dans le silence des organes, quelque part. Donc, on voit que dès qu'on tombe malade, on perçoit son corps différemment, on peut se déprimer, enfin voilà. Il y a quelque chose qui se réapproprie sans arrêt. Donc voilà, le corps change, la perception qu'on en a peut changer au fil d'une même journée. Je pense que c'est une expérience qu'on peut tous faire. Le corps change concrètement, il vieillit, se modifie virtuellement. On peut se sentir plus ou moins beau, plus ou moins vieux en l'espace de quelques heures seulement. Donc le corps est le siège de métamorphose continue. Avoir un corps semble une évidence, et pourtant ces métamorphoses nous confirment qu'il s'agit bien d'une perpétuelle construction. Il y a une phrase d'un collègue lacanien espagnol qui s'appelle Miquel Bassols, je le cite, « On est avec un organisme, mais le corps, on se le construit. » Donc voilà, cet acte d'appropriation est propre à chaque sujet. Et je pense qu'on pourrait, pour moi, considérer ça comme une forme de liberté, ou en tout cas, on a une petite part d'emprise. Toutefois, que dire ? Voilà, je me suis questionné par rapport à des patients ou des propos qui ont pu m'être rapportés, voilà, cliniquement, qui ont de la peine à s'approprier son corps, qui vivent une expérience de discordance, une dissociation avec leur corps. Leur corps est comme étranger. Donc je pense par exemple au psychotique qui peut se voir déformé dans le miroir ou qui s'y perçoit comme un autre. Je me rappelle du discours de patient décompensé, il se voyait, qui avait des traits tout à fait habituels, voire harmonieux, et qui se voyait comme un monstre dans le miroir. Ou bien même des patients schizophrènes qui ne se reconnaissent pas dans le miroir. Ça s'appelle d'ailleurs le signe du miroir. C'est un signe assez précis. Que dire aussi voilà, de la patiente ou du patient anorexique qui est persuadé de sa grosseur ? Que dire aussi du patient dysmorphophobique convaincu que son corps est disgracieux et qu'il faut à tout prix le modeler suffisamment, et qu'il faut le modeler autrement. Je pense aussi à des patients mélancoliques qui ne perçoivent pas du tout les besoins de son corps, qui ne s'alimentent pas, qui est comme dissocié, décalé par rapport à son corps. Il n'y a pas cette perception unie d'un corps qu'on éprouve habituellement. Alors je me suis demandé, voilà, est-ce qu'on peut considérer, il y a un article de Freud de 1894 qui s'appelle les neuropsychoses de défense, où il défend l'idée que voilà, alors il parle de problématiques plus névrotiques ou névrotiformes et de problématiques psychotiques, et il considère ça comme une défense. Alors est-ce qu'on peut, à la manière de Freud, se dire que c'est une défense, comme une sorte de choix ? Personnellement, je n'en suis pas si sûr. Au vu de la, il y a quelque chose de tellement étrange, une étrangeté tellement grande dans laquelle le sujet est pris que j'ai de la peine à concevoir ça comme un choix défensif ou comme une forme de liberté. Voilà, une réflexion. Je n'ai pas de réponse, bien entendu, à la question de mon titre, mais je débat un peu sur la chose. Puis voilà, que dire des apprêts des corps, les vêtements à la mode, de l'amour ou du désamour de son corps et des contraintes exercées sur celui-ci pour le modifier, que ce soit via des régimes, des exercices physiques ou la chirurgie plastique. Est-ce le reflet d'un acte libre ou est-ce la conséquence d'une influence concédée à la mode de son époque, de son temps ? Point d'interrogation. Passer au deuxième chapitre, donc la constitution du sujet. Dit schématiquement, le manque crée le désir et mobilise le sujet tout en le constituant. Je vous parle ici de la fonction du désir et du manque dans la constitution du sujet. Le sujet prendra aussi appui sur les identifications pour se constituer. J'essaie ici de séparer les deux choses par souci de clarté. Le style du sujet dépendrait donc de ces deux paramètres,
donc du désir lié au manque et de l'identification. Je vais commencer avec le manque et le désir. Le manque, le propre de l'existence n'est-il pas de chercher ce qui toujours nous fait défaut ? Le manque pousse à une recherche de complétude, recherche de l'objet perdu, dont parlent des psychanalystes comme Freud, comme Lacan, recherche d'une satisfaction, consulter un psy même, il y a aussi l'idée de récupérer peut-être quelque chose, recherche de sa deuxième moitié, qu'on peut lire dans le discours d'Aristophane, tiré du banquet de Platon. Je dis quelques mots sur ce discours, donc dans le banquet, il y a toute une discussion, un dialogue sur l'amour. Et puis le premier à commencer est Aristophane, et ça se terminera avec Socrate et le dialogue de Diotime, je crois, ou l'avant-dernier, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, peu importe. Donc dans cet ouvrage philosophique, au départ, les êtres humains étaient doubles. Donc ils avaient quatre pieds, quatre mains, c'était soit deux hommes en un, soit deux femmes en une, soit des androgynes, moitié homme, moitié femme. Et puis voilà, ces individus menaçaient les dieux, les ennuyaient, alors ces derniers décident alors de les couper en deux afin de les affaiblir. Je vous cite un extrait, deux extraits de ce texte. Les corps ainsi dédoublés, chacun poursuivait sa moitié pour s'y réunir. Autre extrait. C'est donc, sans doute, de ces temps reculés que date l'amour inné de l'homme pour son semblable, l'amour qui tente de retrouver notre condition première, de refaire l'unité rompue et de rétablir ainsi la nature humaine. C'est ainsi que nous sommes tous la tessère de quelqu'un, donc le morceau, ce morceau de bois qui est, ce morceau de bois coupé en deux, donc qu'on réunit. Donc c'est ainsi que nous sommes tous la tessère de quelqu'un ayant été coupé en deux comme de vulgaires seuls. Et nous passons notre vie à chercher notre moitié. Voilà. Donc le manque, en tout cas, dit, je trouve pour moi, il y a une sorte de loi un petit peu chez Lacan, alors qu'il y a la question du singulier, mais il y a presque une loi, enfin c'est moi qui le dis ainsi, mais le manque serait universel tout en étant singulier, propre à chacun d'entre nous. Et puis comme je le disais juste avant, dit en passant, c'est aussi le manque qui va pousser le patient à consulter. Il nous fera la demande d'aller mieux, que quelque chose soit réparé, restauré, rétabli. On peut dire qu'il demandera de combler son manque à être. Poursuivons. Chacun de nous a un style, chaque patient est singulier. Peut-on toutefois parler de choix ? Freud parle du choix de la névrose pour expliquer la diversité des manifestations névrotiques. Donc là, je fais référence à son article de 1913 qui s'intitule « La disposition à la névrose de contrainte, une contribution au choix de la névrose ». Donc Freud va citer le cas d'une patiente qui ne peut pas tomber enceinte et qui va développer une hystérie d'angoisse, enfin c'est le terme pour phobie, une phobie, et puis par après, elle va développer son mari. Ça crée quelques troubles dans le couple. Son mari devient impuissant. Donc voilà, ça complique encore plus l'affaire. Donc elle va par la suite développer d'autres symptômes névrotiques, une névrose de contrainte, donc une névrose obsessionnelle, avec des ruminations, un sentiment de culpabilité. Et puis Freud, voilà, il explique ça par une régression de sa libido à un certain stade de développement. Donc le choix serait, d'après... Il n'en dit pas tellement plus, mais si on lit un peu entre les lignes, soit le choix serait un processus comme ça, de régression de la libido à un stade infantile, et ça expliquerait en fait la diversité des manifestations névrotiques. Voilà, donc Freud est plutôt descriptif, et le mot choix est peu explicité. On peut néanmoins en déduire que le sujet choisit ou fixe sa libido et qu'il ne renonce pas à sa jouissance infantile. Ou bien dit autrement, d'ailleurs on en parlait, Hugues, que le ça se fixe à un certain stade de son développement. Donc, il y a l'idée un peu chez Freud voilà, qu'il y aurait un choix dans le choix de la névrose, c'est ce qu'il dit. Et c'est d'ailleurs un peu mon titre, je me suis un peu basé en partie là-dessus.
Voilà, alors est-ce qu'on peut parler de ça? Je reviens un peu à mon texte. On choisit peut-être son style, sa forme de névrose, mais choisit-on le manque propre à l'existence et choisit-on de tomber malade? Point d'interrogation. Freud parle aussi du choix d'objet. Donc on va déployer son affection sur certains objets. On tombe amoureux d'une personne et pas d'une autre. Cela surgit, cela nous tombe dessus. Mais notre affection sera localisée, focalisée sur quelqu'un. Même dilemme, choix ou non-choix, ou les deux à la fois. Je ne peux pas y répondre, mais j'ouvre un petit peu la question. J'en viens maintenant aux identifications. On a un environnement familial et socioculturel qui nous préexiste. Enfin voilà, on tombe dedans, on tombe dans la soupe, comme ça, comme Obélix. On tombe dedans. Et ça nous conditionne. Voilà. Il y a quand même un conditionnement et c'est quand même aussi en même temps un support, ça donne un certain ancrage pour faire des choix autres qu'on pourra faire. On pourra aller à l'encontre d'une certaine éducation, mais ça donne un certain socle. Donc voilà, valeurs éducatives, morales, idéaux familiaux et sociétaux, modes vestimentaires et alimentaires, en sont des illustrations. Les soins, la protection et l'affection donnée à l'enfant donneront du poids à cette identification aux parents. Ça donne une certaine valeur aux choses, tous ces processus affectifs. Le sujet pourra aussi décider de se distancer de ces différentes valeurs. Je trouve qu'il est intéressant d'observer les similitudes, ça c'est un peu dans la pratique clinique, je suis des fois frappé, par les similitudes ou les différences au sein d'une même fratrie, une fratrie qui va plus ou moins bien au sein de la famille. Je trouve toujours étonnant, on se dit qu'il y a quand même un patrimoine génétique assez proche, pas identique, mais il y a un environnement éducatif assez proche, mais il y aura des positionnements différents. Je cite un très bref exemple. Ainsi, face aux turpitudes de la séparation parentale, le père, par exemple, se plaignait de la mère et des problèmes d'argent devant les deux enfants. Le fils aîné avait pris le parti de s'extraire du conflit, tandis que le cadet vouait une haine irréfragable à sa mère qu'il accusait de tous les maux. Cette position persistait malgré un grand déplaisir et d'intenses conflits avec sa propre mère. Voilà un petit exemple clinique.